Bonjour, je m'appelle Serge Vongeard. Vous me connaissez, c'est pas ma première vidéo et ce sera pas la dernière. Ça va pas être facile de me faire taire. Bon, alors, déjà, je voudrais remercier tous les gens qui ont voulu avoir des nouvelles de moi. Il faut que je fasse un petit peu le point avec vous parce que, alors, un peu, c'est la confusion. Alors, on entend tout et n'importe quoi. Alors, moi, j'ai résumé, j'ai envie de résumer un peu les choses. Le confinement se passe très bien. D'apporter un peu de clarté. Alors, j'ai pris des notes, hein. Pardonnez-moi si de temps en temps je suis partagé entre la feuille et la caméra, mais j'ai pris des notes. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire depuis le début? Qu'est-ce qu'il fallait faire depuis le début? Hein? Ça, bon, alors, toute cette affaire, ça commence en décembre. Qu'est-ce qu'il fallait faire depuis le début? Les Chinois. Alors, les Chinois, moi, je les aime pas beaucoup, les Chinois. J'ai un article là. Mais alors, ils nous ont raconté des conneries, mais alors des conneries de Facebook, là, qui montrent bien toutes les conneries qu'ils ont pu raconter. Hein. Des chinoiseries, hein. Des chinoiseries, hein. Bon, le président Macron. Alors, vous savez, moi, je l'appelle Macron, moi. Hein. Macron, Macron. Et alors, je l'aurais devant moi, j'appellerais mon con. Mon con, je l'appellerais mon con. Hein. Le président. Ma femme est partie. Mais en fait, je suis très bien tout seul. Alors, les masques, mais ils sont où les masques? Franchement, on se demande par qui on est gouverné. Hein, mais on se demande, mais vraiment, mais ils les ont mis où les masques? Un enculé! Alors moi, ce que je dis, c'est qu'il faut garder son calme. Ça pue le corrompu, ça pue le corrompu. Un enculé! Il faut garder son calme, c'est tout. Regardez, voilà. Tout dit! Et puis le confinement, il faut que ça dure. Moi je dis qu'il faut que ça dure. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas grave, on reste chez nous, on est bien chez nous. Moi j'ai remarqué que, en fait, niveau PQ, je consomme assez peu. Hein. Un rouleau par mois, un petit rouleau par mois. Il n'y avait pas de quoi s'affoler. De la bière, peu de pastis, bon, évidemment. Retourner au travail, mais jamais de la vie, hein. D'abord, on le voit bien, ça sert à quoi? Vous voyez, là, on travaille pas, et ben ça tourne, hein? La dette, ah, la dette, mais il n'y a qu'à pas la rembourser, la dette. Ça tourne, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ces conneries qu'on nous raconte? Quelle dette? D'abord, c'est qui l'a, cette dette? 150 000 morts, la santé, 800 000 morts, ah! Ah, oh bah tiens, il est 20 h! Oh, vas-y, hé! À vous toutes, à vous tous, hé! On est là, avec vous, on est là! La santé, la santé, la santé, la santé, tous unis! Il faut qu'on soit tous unis contre les cons! Moi je vous dis, moi je vous le dis, il faut qu'on soit tous unis, tous unis, tous unis contre les cons! À mort les cons! Oh, mais ça va, et puis franchement, le confinement, hein, c'est pas si difficile. Hein. Alors, je vais dire, alors moi, si j'avais vécu la guerre, bah, je peux vous dire que ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est comme ce truc de chlorophylle, mais elle est où la chlorophylle? Pourquoi on n'utilise pas la chlorophylle, putain de bordel de merde? Le professeur Ragoût, il l'a bien dit, il a raison. Mais franchement, c'est évident qu'il a raison. Tous ces corrompus de la télé, là. Leurs petits costumes, leurs petites cravates, là, mais ils me dégoûtent. Mais moi, je suis comme tout le monde. Mais tout ça, c'est pas si compliqué. On nous en fait tout un truc. Moi, si j'avais été au pouvoir, prochaine élection, je me présente. Moi, je veux vivre. Moi, je suis comme tout le monde, hein. Je veux vivre. Les Américains, les Américains, mais qui crèvent les Américains, mais qui crèvent les Américains, mais on s'en fout des Américains, hein? Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait pour nous l'Europe? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous l'Europe? Elle est chez moi l'Europe, je l'ai vu frapper à la porte l'Europe, et non, il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas plus d'Europe que de beurre en branche. Il faut écouter l'homme de la rue, il faut m'écouter moi, l'homme de la rue, l'homme simple, le mec, quoi, le mec, le mec, le mec, le mec qui a encore du bon sens, le mec qui a du bon sens.
Il faut qu'on serre les coudes, tous ensemble, contre les cons et les corrompus. Et on leur coupera la tête. Et s'il faut leur faire la guerre, on leur fera la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Eh, une petite guerre, hein. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Je sais plus ce que je voulais vous dire. La connasse. Elle me dit, t'es trop con, je me barre. Ah bah, ah ça c'est un argument. Hein. T'es trop con, je me barre. Eh ben, vas-y, barre-toi, et connasse, que j'ai répondu. Elle va dire, elle prend ça dans la gueule. Elle prend ça dans la gueule. T'emporteras pas le PQ. Ça, tu peux me croire. Alors, au début, on se foutait de ma gueule parce que je faisais des réserves. 35 kilos de pâtes. Quoi, c'est exagéré dans les magasins? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pâtes. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus d'œufs. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le magasin. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et tout le monde parle. Eh, vas-y. Eh, que je te donne mon avis. Eh, toi aussi, je te donne mon avis. Ah, tiens, et toi, tu veux pas nous donner notre avis? Ouais, si, je vais te donner ton avis. Vas-y, ben, donne-moi mon avis. Et des fois, je me dis, tout ça, c'est absurde. Tout ça, c'est. Des fois, je me dis, mais tout ça, c'est complètement absurde. Ouais, il y a des moments où j'ai un sentiment de vide. Bah, forcément, hey, on est humain. On est tous humains. C'est ça la vérité, bah. On est tous humains. Ah, quand je vois les Italiens, c'est le bordel chez eux. Mais alors, c'est un de ces bordels. Alors les Italiens, c'est le bordel, hein. Alors c'est vraiment, hein. Et les Allemands, ah les Allemands, alors les Allemands, les Allemands ils sont un peu moins, ils en ont là, hein, les Allemands. Hein. Alors ils ont fait un peu moins de conneries que nous, les Allemands, hein. Hein, bon moi j'aime pas les Allemands, mais quand même il faut reconnaître, hein, que... Oui, oui, mais... Comme disait Charles de Gaulle, pour ne pas le nommer, il disait, comment il disait? Ah ouais, mais on est là à se poser des questions, mais Pierre qui roule, mais Pierre qui roule. Bon, et pour finir, prenez soin de vous et restez chez vous, mais restez. Tout va bien. Bien. Dormez, 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 peuple fragile. Dormez, dormez. Réveillez-vous. Il faut qu'on gueule. Ah, je vais vous dire, hein, l'automne sera chaud, hein. Ah, l'automne va être très très chaud. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout, toutes les questions, tous les problèmes. Bah, vous savez, moi, tout ce que je veux, c'est que tout ce que je veux, c'est que ça finisse, hein. Il va falloir que ça finisse. Hein.